Bonjour à toi, chers spectateurs. Dans Brief 2 de Rodos guess. Alors, je me suis douté, suite au succès du premier film, que forcément dans la tête des auteurs, il y aurait l'envie de vouloir donner une suite au long métrage à succès. Euh, de là, imaginer que ça prenne cette tournure-là, euh, je ne m'y attendais pas. J'étais sceptique. Et pourtant, je me disais quand même que ça pouvait donner lieu à quelque chose d'intéressant. Le résumé pour faire simple, Norman Nantstrone est toujours un homme solitaire, mais qui depuis quelques années s'occupe de sa fille, la jeune Phoenix. Mais alors qu'il semble vivre des jours solitaires mais heureux, des hommes vont à nouveau essayer de rentrer dans la maison de Norman. Alors, pour être clair tout de suite, si vous vous attendez à un film dans la même veine que le premier, vous serez déçu. Nous ne sommes plus dans cet esprit-là. Nous avons un nouvel angle d'attaque de la part des deux auteurs. Parce que même si c'est Rodos Aguayes qui réalise le film, Fede Alvarez étant également à l'écriture et à la production, je pense que c'est juste un turnover. Parce que c'est Fede Alvarez qui avait réalisé le premier. Et donc là, c'est Rodos Aguayes qui s'est collé sur la mise en scène de ce long métrage-là. Parce que clairement, il y a une filiation en termes de la conception de la mise en scène et en termes du jeu avec le rythme, etc. Euh, ce qui est surprenant, c'est cet angle d'attaque. De prendre du coup le personnage du premier film qui était l'antagoniste et d'en faire un protagoniste ici. Ce qui est plutôt une idée intéressante mais qui je trouve n'est pas hyper bien amenée au sein d'un long métrage qui est très grossier dans ses traits. Il y a plein de petites idées intéressantes, on en parlera, il y a des belles idées de mise en scène, il y a un travail de l'écriture qui amène une certaine tension mais qui repose sur tellement peu de choses que finalement on est un peu devant ça et on se dit que c'est comme un château de cartes, ça pourrait tomber à n'importe quel moment et... On l'évoquera, sans spoil, mais c'est un peu le cas. À un moment, le château de cartes, pour moi, il s'écroule et ça plombe littéralement le long métrage. Mais on sent qu'il y a quand même deux auteurs qui ont envie d'emmener leur projet dans une direction un peu différente, de proposer un nouveau concept. Et même si ce n'est pas parfaitement amené, ça se tient parce que c'est bien mené. C'est pas parfait, mais ça se tient. Faire une suite à un concept se tenant bien sur un film. Mais n'offrant pas de porte ouverte pour une suite, je crois que je l'ai déjà évoqué il n'y a pas longtemps, mais cela demande une vraie puissance créative. Mais encore plus que cela, il faut savoir exploiter correctement l'idée de base et ne pas partir dans tous les sens. Rodo Sayegues nous apporte dans un torrent de trop-plein ici, donnant lieu à un divertissement d'action et de frissons assez juste, mais qui ne parvient pas à explorer la tension et l'intensité que pouvait dégager le premier long métrage de son comparse, prouvant ainsi que même si l'on donne lieu à quelque chose de potable, passer après un modèle de renom fait tout de même bien retomber le chapiteau. Comme je l'ai évoqué avant, donc les deux scénaristes sont Fede Alvarez et Rodos Ayagues. Euh, clairement, toute la narration de ce deuxième volet est basée sur le fait que l'on connaît ce personnage d'antagoniste. On sait qui c'est. On sait euh, pourquoi il est là. On sait son background. On connaît son passé. On connaît ses travers à gauche et à droite. On sait quelles sont ses ambitions. Donc, ce qui est le plus compliqué en termes d'écriture, c'est de transformer un mec qu'on trouve horrible dans le premier film et d'en faire ici... Un personnage presque appréciable, voire même auquel on pourrait s'attacher. C'est très laborieux. Pour moi, ça se tient. Ça se tient parce que dès les premières minutes, on a un modèle qui est placé en place. Et ce modèle, c'est donc ce personnage qui, au travers de la jeune héroïne qui est Phoenix, gagne en impact parce que il y a ce rôle de mentor et de jeune apprenti qui passe plutôt bien et qui permet à toute l'écriture de se structurer vraiment autour de cette idée et donc d'en faire. Un personnage qu'on apprécie pour moi ça ne marche plus à partir du moment où on a le twist de trois quarts de film qui pop un peu de nulle part et qui personnellement m'a un peu fait décrocher parce que il est suivi d'un autre twist qui lui pour le coup est à mourir de rire je pense que vous allez rigoler quand vous allez voir un personnage dans un fauteuil roulant s'approcher de phoenix et lui proposer quelque chose. Et à ce moment-là, honnêtement, euh, le film, j'ai un peu décroché en termes d'écriture et pour moi, ça ne marchait plus du tout. Saeges et Alvarez exploitent à fond le personnage de Norman pour donner lieu à un revirement dramatique surprenant où l'on se retrouve à devoir aimer donc un personnage que l'on n'attendait pas forcément ainsi au tournant, pour un instant d'écriture et de composition, qui se repose trop sur un turnover pas forcément pratique. L'idée est bonne et du coup, on ressent à côté beaucoup de facilités, beaucoup de raccourcis, beaucoup d'idées qui auraient pu avoir plus de puissance et d'intensité si elles avaient été utilisées de manière plus sournoise et pas aussi frontale, donnant lieu à une œuvre pas du tout étonnante dans sa composition dramatique, mais qui se repose sur un atout majeur uniquement. En termes de mise en scène, on sent que, comme je l'ai évoqué au début, il y a une vraie filiation entre le premier film et ici. On sent que même si c'est Rodo Segeyes qui réalise le long métrage, il y a quand même cette envie d'avoir une scénographie qui ressemble par pas mal d'aspects à Panic Room de David Fincher, que ce soit dans l'utilisation de l'espace, dans le jeu avec la longueur des plans, dans la tension qui est clairement indéniable et évidente tout du long du métrage. Dans ce jeu-là, je trouve que Rodo Segeyes s'en sort très très bien. Il y a notamment un superbe plan-séquence extrêmement bien mené qui traverse toute la maison, qui est au bout de la fin du premier acte du long métrage, c'est fantastique. Ce plan-là, il est génial, il rend hyper bien, on voit à peine les transitions, si ce n'est une où on passe dans l'entrebâillement du porte, qui est là un peu compliqué, mais sinon le plan est fantastique, il y a une vraie tension qui se crée, et tout le film, de manière générale, a une très bonne tension. Et je trouve que là-dessus, Saegesse, il arrive vraiment à faire reposer sa scénographie. Parce que derrière, le film, par ses 10 minutes en plus par rapport au premier, je trouve, perd en efficacité. Et a tendance à par instant s'étendre un petit peu sur des scènes qui pourraient être plus courtes. Je trouve ça un petit peu dommage parce que, honnêtement, le premier long métrage était tellement bien condensé, bien mené, sur 1h30 à peine, il y avait une efficacité et un rythme qui balançaient du feu de Dieu. Là, je trouve que du coup, on regarde ça, on se dit, oh, il y a quelques idées intéressantes, mais je trouve que ça ne se tient pas jusqu'au bout. Ça n'arrive pas à réellement faire en sorte que le spectateur soit mis en tension. Je ne dis pas qu'on s'ennuie. On s'ennuie pas devant ce film. Je dis juste que par instant, on a un peu l'impression que ça prend trop son temps et que ça pourrait être plus dynamique, plus punchy, plus efficace, plus rentre dedans. Et je trouve que ce petit élément-là est pour moi dommage parce qu'il fait perdre une vraie puissance et une vraie candeur à toute une scénographie qui est quand même portée par plein d'envies et par surtout un besoin de faire en sorte que le spectateur fasse la différence entre la mise en scène du premier et la mise en scène du deuxième. Ou le deuxième, là on est plus sur une mise en scène proche d'un actionneur par rapport au premier où c'était une mise en scène qui était beaucoup plus sur du suspense et du thriller. Et j'aime bien justement ce jeu de mise en scène assez intéressant qui est lié avec le premier tout en étant un peu différent. Saeges est donc dans la même filiation que son comparse, donnant lieu à une mise en scène beaucoup plus orientée dans une direction et une optique d'actionneur, pas forcément décérébrée mais simplement un peu plus léger que ce que l'on peut avoir l'habitude de voir de temps en temps dans le genre. On reste tout de même estomaqué par la maîtrise de la tension et l'intensité de nombreuses scènes qui nous emportent dans des retranchements assez prenants et justes, mais il reste tout de même cette impression que cela aurait pu être plus subtil et plus intense pour donner lieu à un moment de cinéma qui réussisse à donner la même puissance dramatique que son aîné. En termes de casting, je trouve que celui-ci est pas trop mal. Je trouve que Madeleine Grace, dans le rôle de Phoenix, s'en sort extrêmement bien. La jeune actrice arrive à vraiment porter son personnage le plus loin possible et elle a une vraie dégaine et elle est très badass à l'écran. On peut retenir Brendan Sexton, euh, on peut retenir Adam Young, on peut retenir Rossi Williams, Christian Zagia, euh, Stéphanie Arsila, qui est un très joli personnage qui, je trouve, disparaît un peu trop rapidement. C'est dommage, mais on sent que ce personnage, il, a, il aurait eu de l'impact et il aurait eu une vraie puissance au sein du récit. C'est un petit peu dommage de la faire partir aussi vite. Et après, encore une fois, il y a cet acteur qui était déjà monumental dans le premier film, qui ici, du coup, est également un peu attachant dans une certaine mesure, encore une fois, c'est bien de le rappeler, mais du coup, il arrive à porter son personnage avec beaucoup plus de puissance, avec beaucoup plus de candeur, avec beaucoup plus de charisme, et surtout, il a une vraie classe à l'écran. Et j'attends le moment où il va y avoir le Expendables 4 et où on va lui demander de rejoindre l'équipe. Parce que là, clairement, avec ce film-là, s'il ne prouve pas qu'il peut rejoindre l'équipe, ce sera un peu triste. Stephen Lang est encore une fois absolument dingue au cœur d'un métrage dont il ressort comme le véritable atout, comme l'élément passionnant et assez génial d'un film qu'il domine par sa puissance physique et son charisme assez dingue. Au bout du compte, Don't Brief 2, euh, c'est clairement un gros gros cran en dessous du premier long métrage. On n'est plus du tout sur la même ambition, on n'est plus du tout sur la même conception, on n'est plus du tout sur un thriller de suspense, on est plus sur un actionneur sous tension. Donc. Dans sa démarche, c'est intéressant, ça reste très vain, et encore une fois, comme évoqué avant, il y a vraiment des twists au sein de ce film qui peuvent péter l'immersion, et ça peut vraiment nous faire sortir du métrage. La mise en scène rattrape pas mal de petits éléments comme ça, la présence également de Stephen Lang est très charismatique. Pour autant, il ne faut pas se voiler la face Don't Breathe 2 de Rodo guess reste un film divertissant mais sans plus, beaucoup en dessous du premier long métrage. Donc, je vous le conseille, mais en ayant ça en tête. Parce que sinon, réellement, vous pourriez ressortir en vous disant Qu'est-ce que c'est que cette purge que j'ai vue par rapport au premier Donc, c'est moins bon que le premier. Ça reste divertissant, mais il faut pas en attendre plus. À plus